Marine Le Pen qui a déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Et dresse à sa façon le bilan des années Macron. Nous venons de vivre 4 ans de chaos. Si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général. Comme je suis une femme politique, je suis dans l'action, je suis dans l'avenir, et compte tenu, monsieur Apathy, du chaos qui est en train de toucher le monde, vous me direz encore que je suis Cassandre, mais vous vous souvenez de l'histoire de Cassandre. Elle avait un don de prophétie et elle a été condamnée par Apollon à ce que personne ne la croie. Eh bien moi j'aimerais que l'on croie le Front National quand il prévoit les difficultés de ce monde. Ce pouvoir est en train de précipiter la France dans un chaos indescriptible. Il faut préparer la sortie de l'euro. Oui, il faut la préparer de manière négociée et concertée, parce qu'écoutez ce que je vous dis aujourd'hui, aujourd'hui, l'euro va s'effondrer. Et parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, écoutez-moi, parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, ça va être le chaos économique et social. Les 10 et 11 décembre 2018, des dirigeants européens et mondiaux se retrouveront à Marrakech pour signer le pacte des migrations mondiales, un pacte avec le diable. Ce texte annonce un grand chaos. Il y a près de 85 000 textes qui lient l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Mais j'ai bien compris que certains souhaitent que le divorce soit le plus douloureux possible pour que d'autres peuples n'aient pas l'idée peut-être de prendre le même chemin que les Britanniques. Ça s'appelle la stratégie du chaos et je pense qu'ils chercheront à la mettre en œuvre. On appelle la stratégie de la peur, hein. Elle a été théorisée et d'ailleurs elle a été mise en œuvre avant le Brexit, avant l'élection de Donald Trump. Ça consiste à ne pas évoquer des arguments mais à dire ça va être la catastrophe. Ça va être le chaos. Un grand chaos. Le chaos. Chaos. Chaos indescriptible. Le chaos général. Ce qu'on appelle la stratégie de la peur, hein.